Allez regarder, on ne se doute pas que dans ces sucreries, on retrouve dans la liste d'ingrédients du cannabis. Alors, on fait de tout. On passe vraiment du jujube au chewing-gum, au biscuit cru. On arrive à faire à peu près tout ce qui est possible. Simon Salomon est chef pâtissier à la Croix-Verte, une clinique qui utilise le cannabis à des fins médicales depuis 10 ans. Est-ce que vous, vous goûtez à vos produits? Ça arrive. Surtout au début, c'est arrivé. Maintenant, j'évite, surtout en période de production. Maintenant qu'il est possible d'acheter légalement du cannabis à des fins récréatives, vous pourriez être tenté d'en intégrer dans des préparations comestibles comme des brownies ou des biscuits. Mais avant de sortir vos chaudrons, écoutez bien les mises en garde du chercheur François-Olivier Hébert. Je suis biologiste moléculaire. Je travaille à l'Université Laval comme chercheur postdoctoral, à la Faculté de médecine, au département de microbiologie. Qu'est-ce que c'est le cannabis comme tel? C'est une plante qui produit plusieurs centaines de composés biochimiques qui sont extrêmement variés. Le THC est le plus connu. C'est une molécule qui donne l'effet psychotrope du cannabis, donc le buzz ou le high ou l'effet enivrant, euphorique, si on veut, du cannabis. Fumer ou manger du cannabis, c'est loin d'être la même chose. Qu'est-ce qui arrive quand on fume du cannabis? Les molécules qui sont activées sous la chaleur vont rentrer dans notre système respiratoire, puis va être transférées immédiatement dans le sang, puis va aller très rapidement, par exemple, au cerveau. L'effet va se faire sentir en 30 et 120 secondes après la consommation. Quand on mange du cannabis qui est transformé au foie, finalement, c'est comme si on se trouvait à amplifier son effet par rapport à le fumer. Ça peut prendre entre 30 et 120 minutes, par exemple, pour faire effet. C'est une grosse différence assez importante. Quand on mange du cannabis, c'est possible d'être gelé beaucoup plus longtemps que si on fume. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux doses. Ici, à la Croix-Verte, le dosage est calculé de façon extrêmement précise. Un des défis principaux, c'est le microdosage. C'est d'arriver à travailler le produit pour que le dosage soit toujours le même du début à la fin et surtout d'arriver à l'incorporer dans la recette tout en le diluant dans un corps gras ou sucré. Si notre chef pâtissier connaît bien les quantités de cannabis à utiliser dans ses pâtisseries, ça risque d'être différent dans le confort de votre cuisine. C'est sûr que si on met juste un gros mouton de cannabis dans une casserole avec une ou deux livres de beurre puis qu'on fait chauffer ça en brassant, on n'a aucune idée vraiment du pourcentage de transfert de molécules, finalement, de la plante au beurre. Il se peut alors qu'il y ait trop de THC dans votre préparation. Le conseil que j'aurais à donner, c'est de prendre des doses qui paraissent infimes au départ puis de voir comment on réagit puis de continuer après. Oui, puis il faut être patient aussi. Il faut être très patient. On en mange, on essaye, là, une, deux heures, trois heures, j'ai pas senti d'effet, je remange. Souvent, les gens, ils font l'erreur, ils remangent le double de la quantité qu'ils ont mangé. Mais non, il faut reprendre exactement la quantité qu'on a pris et qui nous a pas fait effet, puis là, ça va faire effet. Le THC n'agit pas de la même façon sur un estomac vide ou plein. Souvent, quand on consomme du cannabis par ingestion, par exemple, après le repas qui a été assez copieux, l'effet se fait sentir super lentement puis arrive très, très tard. Versus manger ça à jeun, là, qui est une des meilleures façons de se péter un bad trip de cannabis. Ça à jeun, là, instantanément, là, ça se peut que ça... Puis chou, ça part vite, là. D'autres facteurs influencent les effets du cannabis. La teneur en THC, l'état physique de la personne, son habitude à consommer ou non cette drogue, la prise d'alcool ou de médicaments. Si l'effet est trop fort, qu'est-ce qu'on fait? Je m'inquiète ou pas? C'est normal de s'inquiéter, mais il ne faut pas paniquer non plus parce qu'il n'y a rien de grave qui peut arriver. Dans ces cas-là, je dis aux gens d'encadrer la personne, rester proche, s'assurer que tout va bien, rigoler un peu. Donc, il faut quand même essayer de stimuler cet aspect-là puis pas se concentrer sur « Ah, je me sens pas bien ». Il peut y avoir des soucis de déshydratation, là. Peut-être donner beaucoup d'eau puis d'autres types de nourriture pour essayer de ralentir la digestion. Le cannabis est bien meilleur sous modération que sous excès. C'est la même chose avec l'alcool.